J'ai pris la décision de privilégier le scénario sans chalet, vous l'avez compris, c'est-à-dire bien sûr maintenir Strasbourg capitale de Noël, ça veut dire évidemment garantir le plus possible, et encore plus dans cette période difficile, une ambiance, un esprit de Noël, mais vous l'avez compris, l'édition 2020 ne sera pas une édition comme les autres. Clap de fin pour le marché de Noël 2020. Jeanne Barseguian a annoncé ce matin que l'événement Strasbourg Capitale de Noël se tiendrait cette année sans chalet. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire et sans attendre la réponse de la préfecture sur les scénarios qui lui avaient été proposés la semaine dernière, la maire de Strasbourg privilégie désormais l'option la plus dure. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, je privilégie aujourd'hui en toute responsabilité ce deuxième scénario sans chalet. Nous sommes en train de passer en zone d'alerte maximale dans notre ville, avec des mesures de plus en plus restrictives, pas seulement ici, mais aussi dans le reste de la France et dans le reste de l'Europe, et notamment en Allemagne, ce qui nous laisse augurer d'une très très faible fréquentation pour cette édition 2020 très particulière de notre marché de Noël. Pas de chalet, mais un sapin, des décorations et dans la mesure du possible, le maintien des animations prévues. La mairie souhaite maintenir vivant l'esprit de Noël pour cette édition dégradée. Des annonces qui ont provoqué stupeur et colère chez les forains. Ces derniers se sont invités dans la cour de l'hôtel de ville pour interpeller l'équipe municipale. Et là, c'est fini. Avec cette annonce-là, on est fini. On peut, je ne sais pas ce qu'on peut faire, en fait. Je ne sais même plus quoi faire. Je me demande comment on va faire pour survivre, c'est tout. Juste, au moins survivre, là, c'est épouvantable. On n'a plus rien, on n'a plus de sous. Le peu qu'on avait réussi à mettre de côté, il a été passé cette année. L'année, elle a été blanche, donc du coup, on a utilisé ce qu'on avait de côté. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Je ne sais pas comment on va faire. La mairie indique travailler en lien avec les services de l'État pour mettre en place des dispositifs de soutien. Des annonces plus précises sur l'organisation de l'événement seront faites dans les prochaines semaines.